Bonjour les cousettes, je voulais vous présenter mon dernier test patron. En réalité, c'est plutôt un test de kit. C'est une charmante petite pochette que j'ai trouvée sur le site de la mercerie de l'Étoile de Coton. Et comme vous en doutez, ce n'est pas simplement une petite pochette. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet, c'est que c'est un projet couture enfant. Vous savez que j'aime beaucoup des accessoires et encore plus pour enfants. Et ça fait un moment que j'avais envie de le tester. Comme les fêtes de Noël approchent et que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à coudre vos cadeaux en sur mesure et fait main, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser si vous cherchiez une petite idée pour vos enfants. Donc je vous présente en fait la pochette garage, comme ça s'appelle. En fait c'est une pochette qui se transforme en garage, donc je vais vous la montrer successivement et ensuite je vais vous aller voir un plan plus large hein, pour voir un peu mieux. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet, donc déjà c'est la qualité des tissus. J'ai trouvé vraiment de très bonne qualité. Et puis, vous allez voir aussi, c'est tous les petits détails et puis le look, en fait, du tapis qu'on va découvrir. Je vais vous le déplier. Voilà. Donc, en fait, il s'ouvre sur un espace de jeu que j'ai trouvé assez chouette. Il y a pas mal de choses. Hein. Il y a la caserne des pompiers, l'hôpital, la prison. Il y a un rond-point si on veut changer de direction. Et puis, quand on descend de l'autre côté, donc je vais vous le mettre à l'endroit, du coup, mieux. Voilà, ici se trouve en fait une station service avec l'essence où on peut faire le plein. Donc j'ai trouvé que c'était quand même un projet assez complet en termes de jeu, mais aussi je l'ai trouvé vraiment très très astucieux, c'est-à-dire que ben voilà, la station essence en fait est une trousse zippée dans laquelle se trouvent les voitures de mon enfant. Donc ça, fallait y penser parce que du coup ça permet de ranger tout ce qu'il faut dans cette poche-là, qui en plus est doublé, et hop, l'enfant peut jouer, et quand il a terminé, on range nos petites voitures, on replie notre pochette, et puis ça permet en fait de partir assez rapidement et de ranger. Voilà, donc en fait c'est une pochette nomade, et je l'ai trouvé que c'était une bonne idée de petite créa, rapide à coudre, et qui devrait séduire vos enfants. Donc c'est parti, on va se mettre à jouer. Hein. Donc au niveau du temps de réalisation, j'ai mis à peu près 2 heures et j'ai trouvé vraiment ce kit très agréable à coudre et puis j'ai passé vraiment un bon moment. Je trouve que les fournitures sont de très bonne qualité et puis les explications, bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment de points techniques difficiles, hein, même pour les débutants. Donc voilà, hop, j'ouvre mon petit circuit pour vous le montrer. Hop, donc tout est là. Un peu plus, voilà. Je vais vous dézoomer peut-être un peu pour voir l'ensemble. Voilà, mon petit circuit.